Salut à tous! On va laisser euh, un petit temps retardataire pour arriver. Ouais, j'ai l'impression que j'ai déjà. On vient juste de commencer, j'ai l'impression que j'ai déjà une belle désynchro euh, audio vidéo Bon, bref. En fait, il y a un truc qui va mieux, c'est de récupérer directement le flux euh, sur Twitch après coup. Euh, la vidéo que j'enregistre en local euh, est pire. C'est ça que je pige pas trop. Et dans les cams, on peut pas euh, désactiver l'enregistrement la... local. J'ai pas trouvé en tout cas. Parce que tant qu'à faire, euh, autant qu'il utilise pas du tout de ressources locales, euh, si après je dois aller télécharger le, la vidéo. Oui, ça synchro bien sur les M1, il paraît. Ouais. <laughs> si ça se voit pas c'est parfait je te dis mais c'est en local je sens qu'il y a un truc en local moi en local de mon retour j'ai un gros décalage il y a au moins je sais pas 7 ou 8 frames faciles bref c'est pas très grave euh, bon, j'ai prévenu sur le discord que de toute façon euh, j'ai regardé tout ce que j'avais à raconter c'est sûr et certain que je vais déborder donc on va commencer par le lien sur le discord que j'ai oublié de copier éviter je le prépare maintenant Hop, copier. Tac. Alors, voilà, on va finir par tout automatiser, je vous jure. Hop. Donc, comme d'hab, euh, s'il y en a qui regardent euh, cette émission-là ou après euh, dans YouTube, et euh, si vous avez envie de poursuivre après, euh, discuter avec nous sur le Discord, vous êtes les bienvenus. Laissez juste un petit mot en arrivant dans le salon antichambre que je vous vois passer pour vous intégrer au reste. Donc voilà. Alors, euh, par quoi commençais-je dans toute cette fantastique liste de choses que j'ai à vous montrer euh, Je pense qu'on va commencer par euh, une petite news, comme dirait l'autre. Euh, je vous propose d'aller jeter un oeil au blog de Steffi notre reine des robots euh, qui euh, je vais vous partager ça qui ce matin euh, en fait j'ai vu passer sur twitter à partager hop elle a dû faire ça samedi voilà elle a fait un petit article sur euh, la station météo euh, qu'elle a qu'elle a faite euh, avec euh, un ESP 8266 euh, différents capteurs donc elle décrit un peu tout ce qu'elle a fait donc, euh, si vous êtes intéressé, il y, y a vraiment tout. Y a toutes les phases pour manipuler l'Arduino IDE avec un ESP. Euh, L'explication des, des clés pour vous connecter à votre Wi-Fi, l'API, tout ça. Ah, elle bouge. Elle bouge grave bizarre, ma bouche. Tu vois, il y en a qui en a des synchros et d'autres pas. Tant pis, il va falloir faire avec aujourd'hui. Euh, donc voilà, je voulais vous montrer son... Son blog, euh, j'ai eu une petite phase d'ailleurs blog puisque... Euh, alors, je vais vous le mettre là aussi dans le chat et dans les liens. Euh, c'est mon blog, ça chevrotte chez toi Ça chevrotte visuellement ou à l'audio Tant que l'audio est bon, on va continuer. J'ai pas de pépin sur la machine aujourd'hui. Euh, il faut juste que je trouve pourquoi Ekam de version en version, c'est de pire en pire en fait. Euh, franchement, rien que pour ça, euh, c'est malheureux. Hein. Je l'ai payé une blinde ce truc, mais il euh, y, y a plein de trucs que j'adore. Mais, mais cet effet de désynchro que je n'ai pas avec OBS, puisque j'ai testé l'autre jour avec OBS sur un bout de truc à côté, euh, ça me ferait chier de repartir euh, sur OBS, même si euh, c'est sûrement un bon produit, il n'y a pas de souci. Mais il euh, y a quand même des fonctionnalités que j'aime bien dans IK, mais euh, ça m'emmerderait. Ça chevrotte dans l'audio. Ah, ça c'est plus embêtant. Oh, j'ai CPU qui bronche pas, ça devrait pas normalement. Bon. Tout ça pour vous dire que euh, bah, j'ai dépoussiéré euh, ce week-end en rajoutant une petite page que j'ai appelée euh, Ailleurs, où j'ai mis euh, quelques blogs. Je vais en rajouter. Euh... Ah, C'est des synchros d'une seconde, ah, ouais, ça devient complètement dingue ça. Mais je pense que Ecam me fait une copie en local. Et je pense que mon SSD étant de plus en plus chargé, je dois avoir un, un petit effet là-dessus. Je, je pense que si j'arrivais à désactiver l'enregistrement le, du flux en local, ça me ferait gagner un temps fou. Il faut que je me penche sur ce problème. Bref, donc euh, j'ai dépoussiéré euh, mon blog euh, euh, que j'ai pas euh, touché depuis un petit moment, où j'ai fait beaucoup de choses l'année dernière. Ça m'a bien servi là. Notamment l'été, je me suis pas mal défoulé à écrire plein de petits articles. Euh, et puis là, bah, je vous ai mis euh, des blogs euh, qui devraient vous plaire. Euh, le blog de l'ami Philippe, le blog de Yonner, le blog de Stéphie. Euh, on va reparler de certains de ces blogs. Mais à tout seigneur, tout honneur, je suis chez moi après tout. Euh, je voulais vous parler de toute la série que j'avais faite. Qui euh, l'été dernier m'a permis d'expérimenter un peu. Euh, je suis passé avec l'iPad Pro, je suis parti en vacances avec, j'ai rien emmené d'autre. Et euh, bah, j'ai partagé un petit peu tout ce que j'avais trouvé euh, comme outil intéressant pour moi. C'est là où j'ai euh, basculé en fait euh, sur la plateforme de blog Ghost, euh, qui n'est pas un truc euh, complexe, hein, au contraire, qui permet d'avoir un générateur de pages c'est un blog statique. Euh, mais, euh, mais je l'ai trouvé vraiment sympa, simple, facile à utiliser et j'ai rassemblé tous mes articles en fait l'année dernière euh, j'ai rassemblé euh, tous les trucs qui traînaient sur les différents blogs que je me trimballe depuis euh, je sais pas combien d'années te tracasse pas Philippe tous les autres aussi ont le problème de synchro moi je le vois aussi Il va falloir que Ecam e règle ce souci qui s'aggrave je trouve alors soit c'est de version en version soit c'est ma machine on essaiera avec mon M1 hein, B-Box euh, mais ouais, ouais j'ai un, un souci. S'il si faut je referai les tests avec OBS pour voir si c'est vraiment la machine ou si c'est le logiciel. Donc voilà, je vous ai partagé euh, cette série, donc ça s'appelle Caes de Vacances où euh, je vous ai montré aussi comment je gérais euh, avec euh, IA Writer, qui est vraiment... Un, moi j'aime bien écrire des articles et autres. Je ne l'ai pas fait assez. Faut que je tente le stream avec le shadow, ouais. <laughs> euh, et euh, IA Writer est vraiment très très bien fait pour écrire, euh, pour écrire des articles, notamment en Markdown. Et il y a une intégration avec Ghost qui est vraiment bien, bien faite, qui m'a permis de, de pousser tous mes articles. Et ensuite, ben, je vous décris dans les articles tout ce que j'ai utilisé. Donc je vais vous passer en revue un petit peu les différents logiciels, et puis on parlera rapidement aussi de, des articles de Philippe. Euh, le premier truc que j'ai utilisé, c'est euh, Blink, Blink Shell, qui permettait d'avoir un, un shell et de se connecter à distance. Euh, je l'avais pris parce qu'il était open source et puis que voilà, après je l'ai acheté hein, pour contribuer. Ça me permettait de, en gros de me connecter à, à, alors à deux choses. Soit j'ai un hébergement depuis euh, je sais plus 20 ans chez OVH, donc je me servais de la machine aussi pour faire des petits bouts de Python et autres. Euh, si, Oui Alex, euh, Jekyll bien sûr que je l'ai tenté, euh, j'ai migré notamment euh, un, un Jekyll, enfin euh, c'était un dérivé de Jekyll qui s'appelait Octo... Octopress. Euh, et Ghost j'ai vraiment adoré euh, c'est beaucoup de philosophie comme Jekyll mais j'ai vraiment adoré c'est encore plus simple pour moi je trouve donc je suis parti là dessus euh, donc je disais j'ai utilisé Blink mais euh, depuis peu je me suis mis à utiliser alors, je sais pas si en dehors du fait que je le mette dans la description de la vidéo sur Youtube si ça vous intéresse au fur et à mesure je vais vous les mettre là aussi euh, pour tout ce qui est shell, je suis passé à ISH parce que ISH c'est un vrai shell sur euh, l'iPhone ou l'iPad euh, avec euh, vraiment les commandes d'un shell. Et euh, à partir de là, j'ai commencé à regarder. On peut euh, installer euh, aussi d'autres applis. Le Git a l'air de bien fonctionner. Euh, si je vous parle de Git, c'est parce que jusque-là, j'utilisais un truc qui s'appelait Working Copy. Que je vous montrerai aussi. Mais là. Je ne sais pas trop euh, si euh, vu que ASH a quand même beaucoup d'avantages, si je vais pas euh, euh, bah, arrêter d'utiliser Working Copy, euh, il, est, il est quand même bien parce que vous, vous le verrez, il permet aussi euh, rapidement, il sert aussi l'éditeur de texte pour certains trucs, ça peut être sympa. Euh, bah, je vous remets ce, que, ce qui a tout redéclenché, euh, c'est euh, Pythonista. On va y revenir rapidement et euh, il se trouve que dans la foulée. Je vous en ai parlé l'autre fois, je suis allé creuser derrière. Je vais vous parler aussi de Pito, qui, euh, qui, qui se calque un peu sur ce que fait Pythonista, Mais euh, c'est un produit entièrement open source, donc euh, gros bonus pour moi. Je l'ai acheté également. Euh, et je vous parlais un peu des développeurs qu'il y a derrière et comment ça fonctionne. Euh, je vous conseille aussi le blog de l'ami Philippe, qui a, a commencé une série, il a été plus courageux que moi, euh, sur les outils de programmation embarqués, donc il parle notamment de, de AESH. Euh, il parle, ce, le dernier article c'est euh, LUA avec CodeA. Euh, en l'occurrence, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras Philippe, c'est la partie où on fait du, euh, du LUA pour faire des jeux en embarqué sur l'iPad. Sur c'est plutôt pas mal foutu du tout ce, ce petit CodeA. Et au passage, tu conseilles d'utiliser Textastic. Euh, moi j'ai utilisé un petit peu Codeur avec un K. Je dois reconnaître que Textastic c'est quand, euh, quand même bien meilleur. Euh, et ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de tout ça. Euh, je devrais normalement pouvoir vous partager l'écran de l'iPad. Voilà, voilà. Je vais hop, remettre mes lunettes. Vive la presbytie. Je vais essayer de ne pas tout péter en même temps parce que j'ai poussé des câbles là-haut oh, ce merdier. C'est pas gagné là. Hop Alors, je vais vous remontrer ça. Euh, au passage, euh, si, tu, si tu y penses, Bbox, je ne sais pas si tu as enregistré, euh, notre ami Bbox qui est sur le Discord a fait un, un petit live hier pour nous montrer un peu plus en détail l'utilisation de, de Shaper 3D. Donc, n'hésite pas à, mettre le, à balancer le lien là dans le, le chat, il y en a peut-être que ça va intéresser. Euh, donc, dans les outils, euh, dans ceux que je vous ai montrés, je vais vous montrer par exemple Working Copy qui euh, se présente sous cette forme. Donc, là, il y a des repositories que j'ai déjà manipulées à plusieurs reprises. Donc, euh, quand on va sur le repository, on a accès aux au fichiers. voyez, on peut. Peut-être sympa je sais pas, pour retoucher un, vraiment vite fait un bout de script ou euh, un readme ou un truc comme ça, ça, ça va bien. On a la possibilité, là j'en ai pas, mais de manipuler les changements de branches, euh, la gestion des, des commits. C'est visuel, mais c'est vraiment bien fichu, je trouve. Euh, je peux vous montrer euh, en pratique, par exemple, si je veux cloner un repository existant. Merci Bivox, voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo et euh, Bbox utilise beaucoup plus que moi Shaper3D euh, et a fait un, une petite session de modélisation d'un boîtier pour Raspberry Pi 0 et il a montré un tas d'autres trucs et moi j'ai appris notamment comment on faisait les projections avec Shaper3D et j'ai hâte d'avoir enfin du temps et à remettre en route mon imprimante 3D parce qu'il parce que y a vraiment des trucs sympas à faire donc avec Working Copy, vous voyez, j'ai choisi de cloner un repository là j'ai lié mon compte GitLab et euh, ben, par exemple, je vais prendre, même s'il n'y a rien pour l'instant, le repository euh, qui s'appelle iPad Script. Donc il m'a bien rempli les informations. Il faudrait que je vois s'il n'y a pas moyen d'avoir un, un outil de présentation de ce qui se passe si je touche l'écran sur l'iPad, que vous voyez ce qui se passe. Bref, je vais appuyer sur le bouton clone. Voilà, au passage, on a vu rapidement les messages. Il se trouve que j'ai enregistré une clé SSH. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que GitLab reconnaisse bien la working copy et donc là bah, je suis dans mon repository on voit que je l'ai créé tout à l'heure avec un initial commit tout en bas si je clique dessus ça me montre ce qu'il y avait au départ il y avait le, le readme euh, on voit que ensuite j'ai rajouté la licence il montre le, les changements et puis il montre les fichiers qui ont été touchés euh, je trouve que c'est ouais du temps hein Patrice on aimerait bien en avoir plein je trouve que c'est vraiment bien fichu on peut même gérer les sous-modules de git il euh, y a vraiment tout ce qu'il faut on peut directement depuis cette page rajouter des branches remote si on est dans le cadre d'un fork. Visuellement, je le trouve très bien fait. Et, euh, et s'il y a une opération un peu particulière dont vous ne vous rappelez plus la syntaxe, c'est vraiment très, très, très bien fichu. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre Voilà, il y a un, un petit visuel. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait que je vous montre avec un autre repository. Avec mon ami Dobby, c'est pareil il y a des articles sur mon blog. C'était. Euh, pas mal d'essais que j'ai fait avec le langage Go. Donc là, si je vais au même endroit, tac, on voit qu'il y avait quand même plus de commits, on peut quand même tous les parcourir. Pareil, on peut éditer, on voit à quoi ressemble du Go. Tac. Comment je vous ai montré tout à l'heure j'ai perdu la vue que je voulais vous montrer comme ça au moins non, ça je la retrouve plus et il faut cliquer pardon donc là euh, sur la partie gauche vous voyez là où il y a écrit repository si je clique sur le mot repository euh, ça n'a pas le même effet là ça me montre un résumé en fait d'informations les derniers commits et tout ça si je clique sur le, le symbole qui représente les branches euh, sur le, à côté du mot repository j'ai une visualisation vous voyez, j'ai plusieurs branches sur ce projet. On voit la vie de, de ces branches avec des couleurs pour chaque branche. Ça permet d'avoir une visualisation de l'historique de Git. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc voilà. Euh, éventuellement, voilà, on est ici. Euh, ce qui se passe ensuite et que je vous conseille de faire d'une manière générale pour tous les outils que j'ai là, euh, je suis allé pas du tout, pas ici. Donc là, j'ai en même temps, toujours pareil, hein, mon clavier Logitech. Il faudra vraiment qu'on fasse une comparaison, Philippe, avec le. Je crois que tu as le, le clavier euh, Apple, euh, qui a au moins, je pense, l'avantage de, de permettre de, de détacher l'objet iPad du clavier assez facilement. Là, moi, c'est une coque. Il est très bien protégé, mais pour le sortir, c'est quand même des fois un peu compliqué. Il nous faut un barbecue, très cher Philippe. Euh, je voulais vous montrer l'application File, parce que dans File, ici en haut avec les points. On peut modifier la barre latérale. Et vous voyez, toutes les applications susceptibles d'avoir des, des fichiers, euh, moi je les ai publiés donc on voit qu'il y a par exemple ASH, on peut euh, rendre accessibles euh, les fichiers qui sont propres à l'application ASH, puisque il y a, là, c'est pour aller à l'encontre du, certes c'est pour de la sécurité, mais le, le cloisonnement du système de fichiers dans iPadOS fait que vos applications ne se voient pas. En passant par l'application fichiers, vous pouvez contourner ça. J'ai activé tout le monde. L'intérêt, c'est qu'ensuite, donc là on était dans Working Copy, j'ai rapatrié mon, mon repository. Je voulais vous montrer ensuite, par exemple, avec ISH. Donc ISH, euh, c'est ce petit outil. Euh, Est-ce que j'ai mis l'alias Oui, je l'avais mis. Voilà, c'est des commandes. Euh, je suis dans un shell. Là, vous voyez peut-être pas trop, mais l'avantage, c'est qu'il y a un système d'apparence. Je peux augmenter. Voilà, 18, ça date pas mal quand même. Voilà, donc là je pense que le texte est assez visible. Euh, hop, Je vais aller rechercher la commande que j'ai testée tout à l'heure. Euh, C'est un, un shell qui a aussi les commandes de mount et il y a un mount spécifique avec le tir ios euh, Vous nommez et vous pouvez mettre le point de montage. Donc il ignore le nom logique pour l'instant parce qu'ils vont le rajouter dans des versions ultérieures, je crois. Et quand j'appuie sur Entrée, il m'ouvre une interface iOS de fichiers où justement comme j'ai mis... Euh, tout à l'heure, j'ai euh, ouvert euh, euh, grâce à File, grâce à l'application Fichier, l'accès aux autres euh, répertoires, en tout cas. Euh, bon, là, je l'avais appelé Cam. On va respecter euh, ce que je voulais faire. Euh, hop. Même si ça n'a pas grande importance pour l'instant. Euh, je choisis iPad Script dans l'application Working Copy. Je fais OK. Et à partir de là... Comme dans un système Unix, dans slash mnt, j'ai en fait euh, ce qui est contenu euh, dans iPad Script qui vient de l'application Working Copy. Donc je peux même euh, m'y rendre. Et dans l'absolu, je ne sais même pas s'il y a VIA, je ne l'ai pas essayé ça encore. Oui, si. Ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Où oui, est la touche échappe <laughs> Je pense que je vais le regretter là. Si, c'est celle-là. Si, si, c'est bon, tout va bien. Donc je peux éditer mon script comme ça si je veux. Euh, l'intérêt quand on est dans ISH c'est que j'ai installé donc on a un système depuis euh, très, peu de, très peu de versions j'avais pas mis à jour ma version depuis un moment c'est l'article de Philippe qui m'a donné envie de mettre à jour j'ai euh, VI, je sais pas si j'ai besoin de Vim tu crois que j'installe Vim ben, si tu veux on va pouvoir montrer ça, ah oui pour la colorisation pardon tu as raison très bonne idée Philippe euh, ils ont euh, un système de gestion de, de package avec APK et si je fais apk add et par exemple vim, il va aller chercher des repositories. Comme euh, si vous avez une distribution euh, Linux, ça, ça vous sera familier. Euh, ça permet de récupérer. Euh, euh, voilà, il va installer tout ce dont il a besoin. Bon, C'est sympa, il installe du, des librairies LUA pour installer vim, ma foi, pourquoi pas. Donc là en plus vous avez dû avoir j'ai pas trouvé où l'enlever vous avez dû avoir le son des notifs j'aurais dû les couper quand même j'ai coupé les notifs ils me les affichent quand même tiens il y a un truc bizarre bref donc là euh... ouais, j'aurais pas dû vous faire une install on perd un peu de temps mais euh... vous êtes dans une de la même façon vous êtes comme dans une distribution j'ai installé Python par exemple donc j'ai un Python là dans ISH. j'ai installé pip pour pouvoir installer des des, des packages j'ai pas encore beaucoup testé c'est ta faute vilain euh... Mais j'ai Python 3 qui est installé, donc en l'occurrence c'est un 3.8.8. Donc, déjà, on va en reparler tout de suite derrière. Mais premier avantage sur Pythonista qui est bloqué sur du 3.6.1, il manque quand même des petites choses. Et là, l'intégration n'est pas extraordinaire, mais on peut quand même, si j'ai bien compris, depuis ISH, faire du Python qui soit capable d'accéder à certaines fonctionnalités de l'iPad. Alors Bbox, oui, un vrai Python, oui et non, dans le sens où euh, euh, après on se retrouve avec euh, les mêmes difficultés d'installer des modules avec Pip, si euh, ce sont des modules qui ont besoin d'un module binaire en, compilé à côté, à partir du C. Euh, tu auras le même souci, c'est là où euh, du coup Pythonista et euh, Pito ont un avantage, c'est qu'ils incluent aussi euh, des... notamment pour tous ceux qui font... Hein, je, je pense surtout au côté data science qui est... Un des usages que j'ai beaucoup vu de l'iPad et de Python. Euh, ben vous avez pas, si vous n'avez pas NumPy, si vous n'avez pas Panda, si vous n'avez pas tout ça, là je crois pas qu'avec ISH on puisse le faire. Je peux me tromper, hein, mais. Euh... Donc là, c'est quand même intéressant. Euh, Est-ce que je l'ai installé Non, je n'ai pas installé Git. J'ai pas encore installé Git. Mais je sais qu'on peut l'installer. Donc ça veut dire qu'après, je peux m'entrer avec mes, ma ligne de commande habituelle. Donc on peut jongler. Euh, avec les fonctionnalités de partage d'écran de, en deux, là sur le 11 pouces c'est moins bien que sur le, le 12.9 qu'à Philippe par exemple mais vous pouvez très bien avoir votre fenêtre shell de l'autre côté tec -tec textastic de l'autre pour éditer vraiment votre code et puis faire les opérations de commit avec, enfin bref il y a plein de façons de faire euh, je vais vous en montrer de toute façon d'autres, euh, au passage je vous montre, euh, moi j'aime beaucoup euh, IA Writer voilà donc ça c'est, vous avez droit à au texte tel que je l'avais écrit pour le magazine Linux Format où mon ami Les m'a fait l'honneur de faire un petit encart sur les passionnés de Raspberry Pi. J'avais écrit un petit bout de quelque chose et voilà. Là, vous voyez, c'est l'éditeur de, de ya Writer que je trouve très bien fichu qui a une intégration avec Ghost qui utilise de toute façon du Markdown à l'arrivée, mais ça permet d'avoir un, un bon visuel. D'avoir des indications sur le nombre de mots où on en est, le nombre de caractères, c'est pas mal du tout. Bon, C'était pas le truc que je voulais vous montrer le, le plus, mais euh, ouais, je trouve que IA Writer, c'est quand même. Euh, moi j'aime bien écrire de temps en temps, c'est quand même bien fichu. Euh, rapidement, je vous remontre. Euh, eh bien, je vous l'ai montré l'autre fois, mais Pythonista, hein, ça n'a pas changé. Au passage, je suis allé creuser, il y a quand même des trucs qui m'embêtent avec Pythonista, euh, euh, ça, ça n'enlève rien à la qualité de Pythonista aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est très utilisable, mais. Euh, il y a quasi plus de développement en creusant. Il y a quand même une belle communauté. Ça, c'est un gros plus pour eux. Euh, avec Pythonista, j'ai trouvé euh, des repositories entiers où euh, les gens partageaient des scripts qu'ils faisaient pour marcher sur l'iPad. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, la communauté est quand même pas mal active. Maintenant, pour ce qui est du produit, le souci, c'est que la personne qui développe, si j'ai bien saisi, a eu quelques petits problèmes, je suppose, liés à la pandémie, mais après tout, ses avis privés, je ne sais pas exactement. Il se remettait d'une maladie mentale, il disait. Donc, est-ce qu'il a fait une dépression ou est-ce qu'il y a autre chose En tout cas, il, visiblement, il galère et en même temps, il galère à trouver un autre modèle de financement par l'App Store. Ça n'avait pas l'air du convenir, mais il ne s'explique pas. Donc là, il y a un peu un flou. Euh, quant à la vie de cette application, je ne regrette pas une seule seconde d'avoir investi euh, 11 euros là-dedans. Euh, c'est vrai pour plein de choses, mais pour le logiciel, franchement, j'ai mis 11 euros. J'y ai passé, je crois, euh, deux soirées et deux jours. Euh, ça vous paraît bizarre, mais pour moi, c'est un, un loisir. Donc, euh, c'est moins cher qu'une séance de ciné. Et moi, je m'éclate avec ça. Donc, euh, j'ai aucun mal à acheter, comme tout à l'heure, Textastic. Euh, Philippe en parlait. J'ai regardé deux, trois trucs. Paf, je l'ai acheté. Je veux dire, c'est 10 balles. Euh, il y a des gens qui bossent sur ces produits. Moi, ça me, ça me détend et ça me fait plaisir. Donc, euh, en avant. Donc, ouais, Pythonista, je ne sais pas trop en termes d'avenir. Euh, voilà, pareil, ils sont bloqués sur du euh, 3.6.1. Il y a longtemps qu'il n'a pas intégré non plus. Euh, tous les modules ne sont pas à jour. Euh, pour ce qui est des modules genre NumPy, tout ça, il y en a quand même quelques-uns, mais ils ne sont pas à jour. Donc, je suis allé voir du côté de Pito Pito qui, euh, bah, ça commence plutôt bien puisque. Euh, c'est un projet open source, donc je ne l'ai pas fait, je l'ai d'abord acheté, mais ensuite je vais aller voir parce que le, le repository permet de le compiler et de l'installer vous-même, si vous avez tous les outils sur un Mac. Donc je vais regarder. Euh, je le trouve euh, bah aussi bien fichu que Pythonista en termes de, de UI, hein, c'est vraiment bien fait. Euh, dans la partie exemple, il y a des trucs que je n'ai pas encore installé là il y a des choses à mettre en plus, mais euh, il y a quelques petits exemples très détaillés. Euh, hop et vous voyez il y a quand même beaucoup plus alors elles sont plus à jour en plus il y a OpenCV en plus euh, je crois qu'il y a NumPy et Panda alors que il y a que NumPy côté euh... ouais, je crois qu'il y a que ça et c'est un Python 3.8 donc il est plus à jour oui c'est ça 3.8 3.8 il et ils sont déjà en train de bosser sur le 3.9 alors on va dire Yel puisque c'est quelqu'un qui pendant la pandémie a déjà Pito avant hein, c'était déjà un projet qui existait et euh, n'en parler jamais, mais signer avec un compte Twitter avec un prénom masculin et passer à un prénom féminin. Euh, voilà. C'est quelqu'un qui assume une, un changement de genre pour lui, en tout cas. Euh, ça ne pose aucun problème sur, sur le développement. Là où je voulais en venir, c'est qu'il s'est aussi exprimé sur, sur sa, son caractère et il dit qu'il a beaucoup de mal à, à gérer les aspects sociaux et ça l'embêtait par rapport à un projet open source. Il a raison. Il y a quand même une, une phase d'échange à avoir qui peut être compliquée. Mais euh, un de ses amis a accepté euh, et connaît bien le projet et a accepté de prendre en charge euh, l'aspect la, euh, communauté, l'aspect support notamment pour la gestion des, des tickets. Donc euh, c'est en train de bouger. Il euh, y a deux petits soucis. Enfin, un, un souci principal, c'est que je n'ai pas encore réussi à trouver. J'ai entendu parler d'un Discord. Il n'est pas référencé sur le site, donc je leur ai écrit euh, ce matin pour savoir où est-ce qu'on pouvait. Euh, parler communauté avec les gens. Pito est un nom un peu plus difficile à chercher. Donc quand j'ai cherché Pito Discord, Pito Community, euh, les moteurs de recherche ont tendance à corriger Pito en Python. Donc euh, j'ai pas réussi à trouver un endroit où échanger avec les gens qui utilisent le, le produit. Donc j'ai hâte de, de voir un petit peu euh, ce que les gens font avec. J'ai un meilleur feeling, vous euh, voyez, je vous avais dit l'autre jour je ne savais pas trop cette histoire de financement. Le financement c'est juste pour... Euh, bah, c'est un projet open source, visiblement il contribue à beaucoup de choses et euh, il aimerait être autonome euh, apparemment. Donc euh, bah, bien sûr, j'ai acheté avec plaisir. Il y a plusieurs éditions. J'ai vu des discussions qui disaient que c'était peut-être pas nécessaire qu'il y ait plusieurs éditions. Enfin, plusieurs éditions, il y en a deux. Hein. Euh, moi j'ai pris la, la totale à 11 euros, pareil aussi, comme, comme Pythonista. Et euh, ouais, je trouve que c'est vraiment bien fait. Je peux vous montrer par exemple les exemples. Il y a un exemple. Euh, voilà, vous voyez l'éditeur sur la partie euh, sur la gauche. Sur la partie droite et de manière réglable, on va avoir à la fois euh, ce qui va se passer en termes d'exécution qui va se passer là et ici, on a euh, une, un rappel euh, qui marche une fois sur 12 J'ai remarqué ça tout à l'heure. Il y a deux façons de le lancer et je ne sais pas quelle est la bonne. Et là, il a vu mon code mais il l'exécute pas. Enfin bref. Là, j'ai lancé le code, euh, donc là c'est sur la caméra de, de l'iPad. Et voilà, si je mélange pas trop les trucs, évidemment, ça marche pas bien que tout à l'heure, Voilà, parce que le problème c'est que la caméra est là. Donc il essaie de détecter le visage avec OpenCV derrière. Donc ça commence à être costaud comme utilisation, je trouve, c'est pas mal du tout. Euh, il y a d'autres, bien sûr, exemples. Euh, toc, toc, toc. Est-ce que je vais avoir le même effet waouh que l'autre fois Je suis pas sûr parce que j'y ai passé moins de temps dans les exemples. On a aussi un kit d'interface euh, qui, qui est pas mal fichu aussi. Donc voilà, on peut avoir voyez, une interface avec des tables, des sections, des... Euh, on peut se promener dans. Voilà, il y a quand même de quoi faire une appli, voilà, qui même de rebalance des liens derrière. Fin... Il y, a, il y a tout ce qu'il faut, le kit qui est fourni dedans, il faut que j'aille voir, c'est lui qui le fournit aussi, hein, c'est Pito UI qui est intégré. On peut manipuler un web browser depuis là, donc il y a, il y a de quoi faire de, de chouettes applis. Euh, hop, pour apprendre, dans le cadre de mes émissions, il est possible que je refasse des émissions euh, en direction d'un jeune public ou de ceux qui veulent s'initier. Il y a mon chouchou euh, Turtle. J'aime bien Turtle, je trouve que c'est un... Un super produit j'ai lancé deux fois donc on a plein d'exemples avec turtle euh, qu'est ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant que j'aurais zappé il euh, y, y a pas mal d'exemples moi j'ai fait pas mal de, 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 de petits trucs en data science à une époque et euh, le fait d'avoir panda sur le sur l'iPad je vais je vais m'y remettre un petit peu parce que c'est vraiment sympathique d'avoir euh, tous les outils euh, sur les genoux pour faire un peu de de traitement de données numériques. C'est à voir jusqu'où je vais aller, mais c'est pas mal. On a des petits des exemples pour montrer, monter un petit euh, web serveur. Euh, Qu'est-ce que qu'il qu y a d'autre euh, qui pourrait être sympa ouais, Après, c'est ouais, des choses plus poussées. On a des liens avec euh, Shortcut qui permet de lancer, euh, une fois inscrit dans Shortcut, votre application Python pour votre iPad. Vous n'avez pas besoin de repasser par Python pour lancer le script. Shortcut s'en occupera pour vous et vous pourrez lancer comme une application normale sur votre iPad le script Python que vous aurez élaboré. Donc, moi je trouve ça vraiment bien. Euh, bah voilà, si on veut le Ripple tout seul, il est là, celui que j'ai cherché tout à l'heure, le vrai, le vrai de vrai. L'autre c'est une console que j'ai pas encore bien maîtrisée, je comprends pas l'usage, mais voilà. Donc là on est dessus 380, donc c'est un peu en dessous du 388 que vous avez vu tout à l'heure quand on passe par ISH. Mais l'intégration est quand même vraiment très bonne. Euh, l'autre point très intéressant de Pito, en lien avec tout ce que je vous ai montré avant, c'est que je peux aller chercher, vu que je l'ai voilà, activé, je peux aller chercher, euh, par exemple, les scripts de l'autre fois de, euh, du projet ECAM. Donc là, je les ai. Euh, je n'ai pas encore personnalisé. Je trouve que c'est un peu light, les, la coloration syntaxique qu'ils ont utilisée. Donc, euh, je pense qu'on peut faire encore un peu mieux. Euh, là, ça ne marchera pas. Il faut que j'adapte justement mon script. Je veux savoir si on est capable de faire... Euh, de la recherche avec le protocole Bonjour avec la librairie ZeroConf, mais de lui dire d'interroger euh, mon, mon MacBook, en fait. Et si c'est possible, ça veut dire que depuis une seule appli sur l'iPad, je pourrais détecter euh, le, le service et le port qui correspond à ecam et ensuite avoir une interface par-dessus directement depuis l'iPad sans rien écrire sur la machine. Sinon, c'est ce que j'ai dit l'autre jour sur Twitter, j'écrirais de toute façon un, un petit bout de de script Python avec une API qui servira à, à dire bah tiens ECAM est en route ou ECAM est éteint et si ECAM est en route voici le port on n'est pas obligé de relayer toutes les autres API puisqu'à partir du moment où on a le port on peut accéder directement à ECAM mais euh, ça me permettra de faire je pense que je ferai une petite, euh, une petite séance de live coding euh, j'ai suivi une formation du site euh, enfin du podcast talk python où en fait ils ont euh, pour vivre ils font du consulting et de la formation et, et j'ai suivi une formation avec la, le module Fast FastAPI qui est vraiment bien foutu. Alors ECAM c'est que pour Mac, et autant je l'ai conseillé pendant des mois, autant depuis quelques temps, et mon histoire de désynchro, j'arrive pas à savoir si c'est ECAM ou euh, ce qui se passe sur le Mac. Ce euh, serait bien que j'arrive à le faire fonctionner, le mode interview est génial. Il euh, y a plein de petites astuces graphiques, le fait-toi le compteur, j'ai pas eu à chercher, il était là, le, la, petite, euh, la petite zone ici ronde où vous voyez ma tête quand je partage un, un autre, une autre caméra, une autre source, je trouve que c'est sympa. Euh, pour l'instant c'est que sur Mac ouais. et euh, ouais, j'aimerais bien résoudre cette histoire de désynchro parce que je trouve ça vraiment dégueulasse donc euh, j'irai sur le forum leur poser des questions euh, et puis euh, je ferai un test avec OBS après tout euh. de toute façon il va bien falloir que je me prépare d'ici la fin de l'année parce que je pense pas que je rachète Ecam euh, est quand même euh, à plus de 200 balles même en promotion donc ça fait quand même chéros c'était un petit caprice de fin de pandémie euh, pour retourner dans le confinement numéro 2 je crois que je renouvellerai pas donc voilà c'était pour vous montrer que c'était euh, si je peux peut-être vous montrer un autre truc si on va euh, tac 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 dans les scripts pour iPad on peut lui dire de créer un, un document je peux lui dire de créer le le hello world de cam de calme voilà qui est un tout bête hello world hein, comme vous pouvez le voir c'est fantastique et puis derrière, je suis donc dans Pitot. Rien ne m'empêche d'aller soit dans ISH, ici. Alors je ne l'ai pas. Merde, pardon. LS is not defined. Fait une... Ah oui, merde. Il <laughs> est celui-là. Fatch. C'est pour ça que tout à l'heure que Git ne marchait pas, en fait. C'est ça Et ouais. Donc je vous rappelle qu'on avait monté le, le répertoire. Donc on voit que le fichier est apparu. Si je fais, comme j'ai montré l'autre jour, un Git status qui est plus lent que working copy voilà il me montre que j'ai un fichier supplémentaire donc voilà à partir de là j'ai mon workflow habituel de git je peux le faire aussi, j'ai ouvert trop de trucs là Hop. je peux le faire avec working copy vous voyez il m'indique que j'ai un nouveau fichier qui s'appelle calm.py je peux à partir de là le rajouter, le committer mettre un texte de commit, le pousser voilà je peux faire tout, tout, tout ce genre de modif. Je peux rajouter, rajouter ce, ce fichier et le pousser, et il sera dans mon repository. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu tous ces logiciels. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Philippe nous dit aussi je vais jeter un œil à l'abonnement StreamYard. C'est une excellente suggestion. Euh, chaque fois qu'on a eu à utiliser pour bah, quand on fait avec le GDG ou d'autres cas, on, les RDV des speakers et autres, on a utilisé euh, notamment StreamYard qui permet, euh, qui permet ce mode interview. En fait, c'est le truc, moi, dans les cams qui me manquerait le plus. Après, euh, ouais, ok, euh, les compteurs, l'apparence graphique, je peux en prenant du temps, je pense retrouver à peu près tout ça avec OBS. Je peux me battre. Euh, a priori, à tester aussi, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est la, la Virtual Cam qui me permet d'utiliser toutes les fonctions de Ecam de e et euh, de les utiliser. Par exemple, si tu, si tu fais une conf et que tu es invité par, par une conf, ben, tu utilises ton Ecam pour maîtriser intégralement ce que tu présentes. Tu, tu, passes, tu bascules comme là en live de ma tête, mon iPad, bon, on présente ce qu'on veut. Mais je crois qu'OBS, même sur Mac maintenant, fonctionne en mode Virtual Cam, donc à tester. Et le, deux, le deuxième truc qui manquerait, ça serait euh, le fait de pouvoir interviewer quelqu'un. N'est-ce pas Alex, il faut vraiment que je te recontacte pour qu'on arrive à trouver du temps pour faire ça. Euh, Streamyard pourrait faire l'affaire et euh, fonctionne vraiment plutôt bien. Donc oui, c'est une, une excellente suggestion Philippe. Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Voilà, bah, finalement j'ai parlé trop vite, donc j'ai dû euh, zapper plein de trucs de ce que tu fais avec mini -cam. Ouais. Tu peux passer n'importe quoi en cam. Ouais, c'est pas mal aussi effectivement. Euh, là, le gros avantage, alors... <laughs> Ça marche. On merge tout dans un seul produit. On va, va peut-être bosser le côté marketing. On est peut-être fort techniquement, mais au niveau marketing, il faut encore qu'on bosse un petit peu. <laughs> non, mais là, vraiment, je pense que... Aujourd'hui, l'iPad permet déjà de faire beaucoup de choses. Il faut que je teste d'autres claviers. Là, j'ai fait... Comment je pourrais vous le montrer si je peux vous le montrer comme ça Tac tac tac. On va retourner sur la cam. Hop. J'utilise. Hop. Je vais vous le montrer comme ça, sans tout basculer. Pop pop pop. J'utilise voilà le clavier euh, qui fait cover, le clavier cover de Logitech pour iPad Pro. Voilà qui est en Bluetooth. C'est très très pratique, mais euh, je peux également, puisque je l'ai eu fait, euh, le clavier que j'utilise pour le MacBook, qui est un Logitech MX Keys, qui est génial. Moi, j'adore. Il coûte un peu cher, mais il est vraiment très très bien. Mais euh, il fonctionne. En fait, on a plusieurs profils, donc on peut le faire fonctionner avec l'iPad aussi. Euh, Aujourd'hui, il a trois profils. Il marche soit avec mon MacBook, soit avec l'iPad, euh, soit avec l'Apple TV. Et de la même façon. J'avais pris euh, l'ensemble. J'ai euh, la souris euh, qui va avec le MX Keys, la MX Master 3 formac Mac, qui marche aussi avec l'iPad. Donc, euh, dans l'absolu, euh, j'ai même pas besoin du, du clavier. C'est juste que là, ça me fait la cover et le clavier et euh, hop, je l'embarque et ça marche vachement bien. Je trouve qu'il marche vachement bien. Alors Philippe a euh, le modèle, euh, le modèle Apple, le Magic Keyboard, je crois. Donc euh, donc voilà. Oui, Bebox, on va supposer que c'est pas moi que tu trouves lourd. <laughs> non, ouais, après ça fait des covers un peu lourdes avec le clavier, il faut, faut être honnête, mais moi ça ne me perturbe pas plus que ça. Non, non, c'est le clavier qui est lourd, enfin, soyez raisonnable. Donc ouais, il reste encore à tester ces, ces solutions à base de clavier, mais euh, on voit déjà aujourd'hui que sans, euh, sans changer euh, les accès euh, d'iPadOS, c'est un peu du contournement parce que l'astuce de passer par l'application fichier pour autoriser en fait en gros les applications de se voir les unes les autres. Il y aurait un seul settings. Je veux bien de sécurité dans iPadOS qui dit tout le monde voit tout le monde et puis il roule quoi. On aimerait déjà avec le Magic Pad, c'est l'utilisation de la souris qui apporte un petit confort supplémentaire. Le Magic Pad, qu'est-ce que le Magic Pad? Hop. Je vais poser l'iPad sur le côté. Oups, revenir à la config. Hop. On parle du... Ah oui, pardon, le Magic Pad. Ouais, ouais, ok. Le Trackpad qu'on peut poser à côté. Et le Magic Keyboard. Non, ah, c'est le Magic Keyboard que tu voulais dire. Oui, ok. Oui, euh, bah c'est pareil. En fait, euh, euh, quand je suis parti cet été, j'avais quand même pris une souris Bluetooth, une autre que j'avais déjà à l'époque. Parce que euh, effectivement, le clavier, c'est sympa. Le côté touchscreen, moi je m'en sers beaucoup en fait. Clavier touch, ça marche pas trop mal. Mais euh, quand on a tous ces réflexes de toutes ces années euh, euh, avec une souris, c'est quand, quand même plus pratique d'avoir la souris à côté de, de, de l'iPad posé. Mais bon, en situation de, je sais pas, vous êtes posé dans un coin où ce n'était pas prévu. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé de finir de bloguer un truc, d'aller me connecter à, à Digital Océan. Ou euh, si une fois, je me suis connecté aussi chez OVH pour... Euh, pour le blog de ma femme il y a un truc qui déconnait sur son wordpress et ça m'a permis de dépanner le truc c'est quand même pratique après euh, ben bah voilà euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'applis qui font des efforts pour essayer de contourner un truc qui devrait être simple quoi. je sais bien que c'est pour des raisons de sécurité mais j'espère beaucoup euh, que ça va encore évoluer et que même si c'est par défaut quelque chose pour euh, le grand public qu'on puisse décliner sur un iPad Pro avec un M1, ça me semble un peu dommage de ne pas avoir des usages ben, plus machine de dev, j'allais dire, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, même dans EI Writer, quand j'écris, c'est chiant de devoir déverrouiller pareil avec fichier pour accéder à un autre endroit parce que l'article c'est dans une autre application ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire. Je me doute bien, on en a parlé l'autre fois, qu'ils ne vont pas ouvrir. Ça ne va pas devenir une machine de dev complète parce que derrière, ça permettrait, à mon sens, si on a accès à vraiment tout, de, de plus facilement jailbreaker les machines. Mais est-ce qu'il y a encore un intérêt aujourd'hui à jail jailbreaker l'iPad Si, pour la sensation de liberté de l'utilisateur qui veut avoir le contrôle absolu de l'iPad. Enfin, les gars, quand vous achetez un iPad, vous êtes déjà dans un écosystème qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est l'écosystème Apple. Je veux dire. À ce moment-là, prenez une tablette chez Pine64. Vous avez une tablette full Linux en avant, ça marche bien. Quoi. Mais ouais, euh, merci à Philippe d'avoir poussé un peu après l'émission de l'autre jour. Euh, ça m'a remotivé. J'ai pas eu la pêche de réécrire des articles, mais il faudrait parce que là, tu as fait un peu du AISH, tu as montré du LUA. J'imagine que tu vas montrer un peu de Python, mais il y a moyen de faire des choses, de montrer pas mal de choses. Alors, jailbreak pour une manette Bluetooth. Euh... Voilà. J'ai pas de PlayStation. J'ai une manette PlayStation qui marche parfaitement avec l'iPad. Il y a certains jeux où c'est génial. Donc, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Alors, nous avons Philippe qui, euh, fourbement. Alors, bien sûr, je ne vais pas réussir. Ça, c'est un autre défaut de Ecamm. Enfin, c'est un défaut. On va passer par le stream manager. Voilà. Qu'est-ce que tu as Oui, c'est l'article, ton article sur... Je l'ai mis tout à l'heure, Ouais, C'est le, le lien vers ton article sur LUA avec Codea. Que je n'ai pas fini de lire encore, toi. Tout à l'heure, j'ai juste commencé le début, j'ai pas eu le temps. Oui, depuis les mises à jour d'iPadOS. Ah, tu as fait un ajout, pardon. Et comme j'avais pas tout lu, je vois pas la différence de l'ajout. Euh, je pourrais tout lire d'un coup, du coup, c'est parfait. Ah, si, d'accord. Je crois que je vois. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ça marche. Mais codea, c'est orienté euh, vraiment orienté Lua. On est d'accord. Vous le partagez. Hein, mais... Il a mis le lien, vous pouvez aller voir. Ah oui, ah oui d'accord, tu as installé LUA dans ISH. Oui, d'accord, ok, ok, ça marche. Tout à fait. Si on va sur le site de Codea. D'accord. Codea est construit sur le... avec le langage LUA. Ok. Ok, ok après, j'imagine que ça n'empêche pas de faire. Oui, voilà, il y a beaucoup d'exemples avec des jeux. J'avais trouvé ça intéressant aussi, mais on ne peut pas tout faire dans la vie, comme dire l'autre. Après, ça fait un marché un peu plus restreint. Quand on s'adresse aux jeunes, c'est plus sympa de faire avec Arcade Makecode qui est accessible gratuitement à tout le monde. Mais ouais, ouais, je vois le. Et Codea, il, est... il utilise des colorations syntaxiques pour d'autres langages que LUA ou c'est que que LUA non, il est chouette, il est chouette. Mais bon, comme je suis en train d'essayer Textastic, je peux pas tout faire à la fois. Euh, Textastic, ce qui est intéressant aussi, euh, je l'ai pas montré parce que j'ai pas encore eu le temps de tout expérimenter, c'est que il y a même des choses où euh, on n'a pas. Ouais, voilà, il n'y a que Lua pour coder. Euh, Textastic, il a aussi des extensions intégrées qui permettent de se connecter à du FTP, <coughs> voire. Euh, a... Oui, voilà, je le vois là sur la page. Euh, on peut aller choper sur du Dropbox, du Google Drive, donc il y, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles. Euh, et c'est euh, ouais, un chouette outil. Ça va me faire un doublon avec certains trucs que je fais avec euh, iWriter. Mais, euh, mais ça fait rien. C'est un bel outil. De ce que j'en ai vu. il oui, y a un petit, y a un petit euh, S, terminal SSH inclus. Donc je ne sais pas jusqu'où ils vont avec, mais c'est pas mal aussi. Non mais euh, Bon là après le 11 est un peu court, il faudrait le 12-9, mais... Euh, mais voilà. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti de Texas Stick aussi une version Mac. Je ne sais pas si j'irai jusque-là parce que je suis très content de, de mon petit VS Code. Donc, ah, la voix est tachée maintenant. Mais écoute, moi ça n'a pas l'air de zonzonner chez moi. Ouais. <coughs> il y a donc des trucs qui se passent sur cette machine. Comme dirait Vbox, il te faut un Mac Mini. On en reparlera. Ah, si c'est parti et revenu que c'est pas passé chez les autres, c'est peut-être ta connexion qui déconne avec Twitch. Peu importe. De toute façon, il y a ce décalage visuel qui m'agace. Donc il faut que je fasse quelque chose. Ah, si maintenant c'est les Russes qui sont attaqués par des actions d'IDOS, où va-t-on Mais je suis pareil, je suis comme toi sur le Mac. J'ai quand même uh, VS Code, c'est quand même un chouette produit. Uh, uh, Jusqu'à ce que Microsoft nous la mette à l'envers, uh, on va continuer de l'utiliser. Et puis après, on rebasculera sur Textastic. <laughs> Ben voilà, je vous ai fait un tour un petit peu de tout ce que j'avais actuellement euh, sur l'iPad. Ouais, vous avez partagé la même connexion euh, avec Alex, je vois que ça. C'est pour ça, ça grésille de temps en temps. Euh, sur ce, braves gens, euh, je vais vous laisser là. Sauf si vous avez des questions de dernière minute. Euh, je ne sais pas trop comment je vais gérer la suite de la semaine. J'ai deux, trois petites choses à faire à côté. Oui, donc ça peut être difficilement ta connexion. Bah, ça dépend si tu es connecté avec, euh, avec ton Sharp. <laughs> je vais vous souhaiter une, une bonne journée, une bonne suite. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Euh, je, je préviendrai si je fais mercredi ou jeudi. Je ne sais pas encore. c'est pas encore décidé. Voilà. Bonne journée. Bonne semaine. Merci à tous. Si vous voyez cette vidéo euh, sur YouTube, un petit like, un petit abonnement pour être au courant des prochaines vidéos. Euh, moi, ça, ça me montre qu'il y a des gens qui sont intéressés. Euh, lisez les descriptions. Il y a plein de moyens de m'aider. Allez-y, lâchez vos thunes. <laughs> et bon après-midi à tous et à tout de suite sur le Discord. Salut.